Putain, t'as vu ça? 2074 abonnés. C'est bien, hein? Ouais. C'est bien. Attendez qu'on va commencer à mettre des nichons sur les vidéos, ça va être cool. Qu'est-ce que c'est? Elle veut me parler. Ah. Bonjour! Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Ouais. Trop longtemps. Trop longtemps. Comme promis, FAQ et droit de réponse sur les miges. Oui. Ça va être une vidéo assez longue. Oui. Mais plus c'est long, plus c'est bon. Il paraît. Ouais, voilà. Bah, on va commencer tout de suite. Hein. On va pas raconter nos vies. Ah si, si on a nos vies à raconter. Mois de mars, événement. Ouh, mois de mars, événement. Gaël, la place est chaude. Hein. Et donc on fait un petit week-end sur le 24 et 25 mars, le vendredi, donc on reçoit Gaël pour une masterclass épisode 2, parce qu'il était déjà venu. Gaël Liget, si vous le connaissez Gaël Liget, pas, la chaîne Le Son, c'est dans les doigts. Le Son dans les doigts. On mettra en description tout ça, tout ça. Ouais. Et le lendemain, on reçoit un groupe amiénois pas trop connu, tu vois, Garage McCart, petit t-shirt, Ravenscrew, t'as le... J'aurais dû prévoir avant, le petit EP qui est là, Memoriae. Hop. Donc on reçoit le Ravenscrew en showcase à partir de, ça va donner un truc genre 18h, et dans la foulée le même soir, samedi soir, à partir de 20h30, jam session. Ça va être trop bien. Gros week-end pour ouais, nous. Ouais. Ah ouais, gros week-end. Et venez aux deux, ça va être cool. Surtout qu'à mon avis les mecs du Ravens, ils n'hésiteront pas à venir jammer avec vous. Peut-être même qu'il changera la marque de bière entre le vendredi et le samedi, mais vous ne le saurez que si vous venez aux deux. C'est ça. Oui, parce qu'il y aura des boissons forcément. Non, non, il n'y aura pas de bière, on déconne, on n'est pas un bar. Si, il y aura de la bière. Bon, on n'a pas de licence 4, mais on s'en fout. Bon, on le laissera, ça? Oui, ok. Eh ben, FAQ, allez, on démarre. T'as vu, on a des fiches, ouais. On l'a vachement préparé, je ne l'ai pas encore lu, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Comme ça, au moins, vous avez des réponses naturelles comme vous aimez. Exactement. Quand on annonce une FAQ, posez vos questions sous la vidéo d'annonce FAQ parce que, en fait, vous en avez posé sur toutes celles d'après. Ouais, et puis honnêtement, il y a beaucoup ouais. de commentaires et nous, on n'a pas beaucoup de temps pour y répondre, malheureusement. J'ai eu du temps la semaine dernière, mais j'étais dans les Alpes, j'avais pas de réseau, donc j'ai pas répondu. Ah, puis moi, j'ai l'atelier qui dégueule ouais. de guitare. Donc, ouais. Combien hein 16 guitares semaine. Ouais, 16 guitares semaine. Ouais. Tout seul, c'est pas mal. Escalier, bon épisode. C'est vrai. Là, on y va. FAQ, tu commences, je commence. Non, vas-y, commence. Je vais pas dire vos prénoms, sauf les gros intervenants qui ont laissé des pavés. Bonne année, merci. Un épisode sur comment transporter sa guitare efficacement, type d'étui, les daubes à éviter, les conseils pour l'avion, le train, éviter de se faire chourer sa guitare, etc. Comment transporter ta guitare, si c'est juste ta guitare, moi j'aime bien les... Soft case. Le soft case. Ouais. Le soft case, il est cool parce que tu peux mettre au dos, etc. sans que ce soit trop compliqué. Par contre, en termes de protection, l'étui, c'est la vie. Ouais. Surtout si tu prends l'avion ou le train, puisque tu demandais l'avion ou le train. On aura, alors pour l'avion, on aura fâcheuse tendance à déconseiller l'étui en ABS, sauf si tu veux retrouver ton étui complètement éclaté et bien rayé. Alors un étui qui se raye, c'est un étui qui prend des coups, vaut mieux que l'étui prenne des coups plutôt que la guitare prenne des coups. Le mieux, ça va être vraiment tout ce qui est Gator Case et en bois, surtout en bois. Mais globalement, le mieux, c'est Gator à chaque fois. Ouais. Il y a Mono qui a sorti des housses assez chères. Rapport qualité-prix, assez intéressant quand même chez Gator, ouais. Malgré tout. Hein, et comme on dit, vaut mieux mettre un petit billet supplémentaire dans la protection. C'est comme le verre trempé sur le téléphone, le verre trempé sur la montre. Des fois, tu payes un petit peu plus cher, mais le jour où tu mets un start, t'es bien content d'éclater ta coque plutôt que ton matos. Quoi. Gator, c'est très bien. Mono, on va nous le demander. On n'a pas essayé d'étui. On n'a pas essayé encore. Ouais. Mono, si vous regardez, envoyez-nous un étui, on vous l'enverra. Ne peut-être pas se laisser avoir par tout ce qui est vraiment étui haut de gamme, etc. Non. Ouais, non. Le but, c'est de le broyer en plus. Ouais, donc, de toute façon. Stag, en entrée de gamme, faisait des trucs pas mal il y a quelques années. Je sais pas si c'est encore le cas. C'est toujours le cas. Alors, les prix, c'est un petit peu comme tout. Hein. On frôle le n'importe quoi sur certaines choses. Mais voilà, la petite housse, j'en ai une comme ça, toute fine, sans rembourrage poubelle. Ça, c'est un kawaii, ça. Ouais. Ça c'est exactement un kawaii. Tu vas aller te promener sur la côte brestoise, et un jour de tempête, et tu vas y aller avec ton kawaii, bah c'est pareil. Ouais.
Tu seras pourri. Non, non. C'est bien pour la poussière et encore. Autant lui que moi, et je sais que Maxime qui est pas là cette semaine puisqu'il a pris le relais à la montagne. Oui, mais tout le monde a fait ça en différé, c'est bien. C'est hard case. Point. Sauf que j'aime bien parce que moi j'ai une voiture, je répète pas trop loin de là où je me gare. Ça permet de la mettre sur l'épaule et tout, c'est cool. C'est pratique le soft, hein, c'est pratique. Et puis on, voilà, ils sont quand même... Il y a différents types de soft, hein. Il y a le soft vraiment avec... Moi je pense au soft Gator qui est rigide à l'extérieur. Celui-ci est pas, bien. Pas les tuisses souples. Celui-ci en fait. Est bien, ouais. Il est revêtu en tissu, donc c'est dès ça. Que tu vas le frotter quelque part, tu risques de l'abîmer, etc. Mais une fois de plus, un étui qui morfle... Ça regarde, t'as l'exemple juste là, quoi, tu vois. Ouais. Ouais. Et encore Gibson, là, il parle d'un étui Gibson, il y a eu plusieurs années chez Gibson pour les étuis. Oui, et d'un étui Gibson qui a pris feu. Hein. Et il y a Richter qui a sorti un étui double. Ritter. Tu peux mettre deux guitares. Ritter, bonne cam. Ouais. C'est de la bonne cam, Ritter. Ouais. C'est bon placement. Ça se place bien en rapport qualité-prix. Toi, là, j'y sais. Soft case, hard case pour transporter la guitare. Qu'est-ce que tu préfères? Ça dépend où tu transportes. Disons que si c'est juste une petite répète comme ça, tu prends un soft case. Et puis hard case, c'est, ouais, c'est vraiment, t'as peur de... Après, toi, les trois quarts des guitares que t'as, c'est hard case. Ouais, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Puis après, mais ça dépend aussi de la guitare que t'achètes. Si tu achètes une guitare à 2000 balles, t'as un hard case avec. Hein. Mais je fais toujours du transport tous les jours avec la même guitare. Par exemple, là, je suis en hard case parce que j'ai que ça. Mais si c'est plus léger, une guitare, une Strat, je la mets dans un soft case. Oui, il y a aussi la construction de la gratte qui va jouer beaucoup. Ouais. Les Strat posées à plat, les Fender posées à plat, elles sont peut-être moins exigeantes que les Gibson qui ont une tête renversée aussi. Ah ouais, la Gibson, t'es vite la housse quand même, de manière générale. Après, on parle de guitare à 2000 boules, donc de manière générale, t'es vite la housse. Hein. Bon, voilà. Et puis, on va passer très vite. Pour l'avion, moi, je conseillerais de la démonter, toi, si elle est démontable. Si elle est démontable, après... Franchement, je sais pas. L'avion, je sais pas, parce que sincèrement, pour avoir pris l'avion une bonne paire de fois, quand tu vois comment tes valises elles sont maltraitées, le mec qui écrit guitare ou animal vivant dedans, il s'en branle complètement. Donc, ouais, je sais pas. Pour l'avion, je sais pas s'il existe des assurances, des trucs comme ça, mais. Ouais, c'est comme toutes les assurances. Et dans tous les aéroports, pas, ouais. Quand tu vois comment ça te défile sur le tapis. Ouais, je sais pas. Et en cabine, jamais essayé, je sais même pas si c'est possible. En cabine, tu peux pas, cabine c'est mort. Ou alors faut réserver un siège pour ta guitare. C'est ça. Comment éviter de se la faire chourer? Bah tu peux pas. Bah, des connards, il y en aura toujours partout. Ça, peu importe le type de protection que tu mets à canop, peu importe. Là, on a récemment rendu service à quelqu'un qui s'est fait chourer une réplique de tête Princeton Reverb. Et, ça fait 2 ans qu'il cherche, il l'a toujours pas retrouvé. Tu trouveras pas, aller tranquillement dans le salon de quelqu'un. Ouais, ça c'est... Voilà. Et puis pour aller en répète, le plus économique et le plus pratique, c'est un petit diable chez Brico Merlin pliable où tu mets ton ampli, ton pedalboard dessus et puis tu tires. Il est vraiment horrible ce diable. Ouais. Mais franchement, quand t'as pas assez de mains pour faire un seul trajet de ta voiture au local ou en Paris de chez toi au métro, le petit diable il sauve un peu la vie. Ouais. Et c'est le seul truc que je me suis fait chourer moi. C'est le pas diable. Le matos, c'est le diable. Il y a un dicton qui dit. Pourquoi porter quand on peut rouler? C'est ça. À toi. À moi? Bonne année, santé, de la réussite dans vos projets. Bah visiblement c'est le cas. Hein. Quel matos conseillez-vous et quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut se lancer dans l'apprentissage de la guitare électrique tout en prenant plaisir? Merci encore et bravo pour vos vidéos si enrichissantes et distrayantes. Merci à toi pour ce jeune commentaire merci. Agréable. Quel conseil je peux donner à quelqu'un qui veut se lancer? Alors fais-toi plaisir, achète-toi une guitare qui te plaît. Et techniquement, fais-la bien régler, parce que c'est aussi important d'avoir un instrument bien réglé. Et je pense qu'après, essaye de travailler de façon vraiment contemporaine. C'est-à-dire que maintenant, avec Google, tu as accès à pas mal de choses, notamment des partitions simplifiées. Alors oui, c'est simplifié, mais au moins, tu as un côté un petit peu satisfaisant où tu arrives vite à reconnaître ce que tu joues. Et prends des cours. Ouais, prends des cours pour éviter d'avoir des mauvais réflexes. Prends des cours et... Et trouver un si tu peux, ouais, ça viendra après, mais pas des cours à distance, pas des cours en vidéo, prends des cours avec un vrai genre, un vrai prof, quelqu'un de cher que tu as en face de toi et qui saura bien te guider, comme notre ami Jean-Christophe qui est intervenu dans le... Qui verra comment sont posées tes mains, comment tu l'appuies. Exactement, et surtout qui va te dire non, ne mets pas ta main comme ça, mets-la comme ça, parce que, voilà, c'est beaucoup plus simple.
Et un prof physique, il te fait essayer du matos. Ouais. Donc, il te permet aussi de savoir ce qui te plaît avec le Exactement. Alors ça, c'est une recherche. Enfin, c'est une recherche, c'est quelque chose qu'ils font assez souvent. Mais, mais comme on dit, vraiment, le premier instrument, arrête-toi sur le style vraiment que tu veux jouer. Et après, achète-toi un truc qui te plaît. Ouais. Tu vois, c'est comme... une guitare, c'est comme une voiture. Si ta voiture, elle est dégueulasse, tu vois, genre une vieille Dacia Logan toute pourrie, bah, pas forcément envie de si rouler dedans. Si tu aimes les voitures. Si tu aimes les voitures. Tu prends pas forcément plaisir à rouler dedans. Et puis... Puis quand t'as une cool caisse, c'est quand même agréable de, bah, je sais pas, de la montrer aux autres et tout, de partager un petit peu, etc. D'en prendre donc, soin. D'en prendre soin aussi, c'est hyper important, mais achète-toi un truc qui te plaît. Ouais, si quand tu fermes les yeux, tu t'imagines sur scène très connu devant une foule en délire, bah prends la guitare que t'imagines avoir dans c'est ta ça. Tête, quoi. C'est ça. Et à partir de ce moment-là, ça sera bien. Après, tu l'as fait régler. Et respecte ton budget surtout, c'est hyper important, on va pas te mettre dans le rouge bêtement. Il y a que les cons comme nous qui passent plus de temps à acheter des instruments qu'à jouer. Qui... Ouais, mais c'est normal. Et Gaël disait pareil, hein, c'est le délire où t'as plus le temps de jouer, mais tu fais « Ah, j'achète ça, je jouerai mieux ». En fait, tu joues jamais exactement, mieux. Exactement. Mais non, non, ouais, on est d'accord. Va voir notre vidéo qu'on avait fait sur le choix des guitares débutants. On explique que le budget réglage est quasiment aussi important que le budget achat. En fait. Ouais, alors le budget réglage, franchement, même si tu pars sur une neuve, budget réglage direct. Mmh. Hein, là, j'ai eu le tour avec une Strat neuve, ni fait ni à faire, hein, 3 semaines de réglage. Donc, va expliquer au mec qui vient de dépenser 800 balles dans sa Strat neuve qu'il pourra pas jouer avec pendant 3 semaines parce que techniquement, c'est un peu une patate pas trop bien réglée, voire même pas du tout réglée. Donc non, ça c'est hyper important. Après, en fonction de la marque et des modèles, tu peux avoir des surprises et aller voir ton guitar tech et le mec va te dire « Bah non, finalement, regarde, tes cordes d'origine, c'est de la merde, juste on change les cordes, petite reprise de réglage et allez hop, et en 3-4 jours, c'est réglé. Mmh. » Ça arrive, ça arrive. Question FAQ, un comparatif sur les petits 5 watts ampli tout lampe, style Black Star, Bouguera, Lanné, Marshall et même pourquoi pas Harley Benton. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que j'entends là? Alors, encore une fois, moi je suis pas du magasin. Je suis le seul qui a le t-shirt du magasin, mais. J'ai oublié le mien ce matin, désolé. Faudrait qu'on arrive à tous les avoir en même temps, ça va être compliqué. Moi, j'ai essayé Black Star, j'ai pas essayé Bouguera, j'ai essayé Lanné. Moi, je vais te dire ce que Marshall. J'ai essayé. J'ai essayé Black Star, j'ai essayé Bouguera. Alors, Bouguera, tu laisses tomber. Hein. C'est de la merde. Ça sonne bien, mais dès que c'est Lanné, en panne, c'est en panne. Lanné, c'est franchement cool. Lanné, ouais. C'est franchement cool, mais en 5 watts, tu trouveras pas. Tu trouveras plutôt en 10 ou en 12 watts. En 8. En 8. Ouais. Non, c'est cube non, 8, 8, 8 pouces, mais il fait pas. Ouais, il fait mais pas 5 watts, 8 là. Pouces, c'est un peu léger quand même. Donc, cube 12 R. Pourquoi R? Parce que c'est celui avec la reverb, c'est toujours cool d'avoir une reverb cool, intégrée. Celui-là. Et t'as un watt, t'as une entrée. Marshall. Marshall DSL-5 direct. T'as un canal clair qui est très rondouillard, très Marshall, et puis t'as le canal ultra gain qui est ni plus ni moins qu'un canal double super lead. Donc, Et pas le classe 5 d'origine. Non, le classe 5. Ça, modé, il peut être très très bien, mais d'origine, il est nul. C'est une horreur ce truc-là. En fait, le classe 5, il devient intéressant quand tu switches, tu pontes ton canal 1 dans ton canal 2. Mais ça reste un ampli débile de base. Voilà. On fera sûrement pas de comparatif parce qu'il n'y a aucune chance qu'on arrive à tous les regrouper en même temps. Et quand on se fait prêter du matos, c'est plus du 5 watts, c'est des gens qui tournent, donc ouais. C'est du gros ampli. Ouais, ouais. Mais... On pourra faire un petit test du DSL-5, j'en ai un. C'est, ouais. En fait, le DSL-5, moi je l'aime beaucoup parce que c'est mon ampli de test à l'atelier. C'est-à-dire que j'ai mes références par rapport à cet ampli-là et tout de suite, c'est un accord, alors toujours la même chaîne, hein, toujours la même chaîne d'accords, ré, sol, là, des trucs gros, des trucs bien classiques pour régler, mais au moins ça... Je trouve qu'il est hyper texturé, c'est le genre d'ampli, même gain à fond, il te fait pas dégueuler une strat et tout, c'est il est bien et il surtout il a bien. Un petit atténuateur intégré ouais. Derrière, t'as un petit switch pour le passer en 1 watt. Il a pas mal d'options sympas, ouais, il ouais. A une boucle et tout. Non, il est cool. Non, il est cool. Et d'origine de mémoire, il est bien monté en HP. C'est un petit HP de 10 pouces. Non mais en qualité. C'est un 10. Mais en qualité, ouais. Non, franchement, il est franchement pas mal. Est-ce que t'as beaucoup de petits 5 watts en tête qui sont bien, mais si tu mets pas le. Bon HP avec ces nuages. Ouais, non mais là il est en version combo, il existe en version tête aussi. Je préfère la version combo parce que la version tête elle a qu'un réglage de gain, elle a pas de réglage de gain et de volume sur le canal clair. Donc pour moi, vaut mieux l'avoir en combo qu'en tête. Et puis Harley Benton, j'ai pas essayé, mais de mémoire, leur tout premier 5 watts c'était des copies d'Epiphone Valve Junior ouais. Qui étaient encore une fois d'origine et merdique. Alors, le Valve Junior, comment t'expliquer ? Modé, il est très bien. Ouais, si. Modé, il est très bien, mais tu vas passer un temps fou. Ouais. Là, pour te donner un exemple, j'en ai fait un de Valve Junior il y a pas longtemps. Obligé de taper sur l'ampli pour qu'il fonctionne. Bon,
Ça veut dire qu'il semi-fonctionne. Je l'ouvre et en fait, c'est Google. Ils ont collé deux condensateurs, mais ils ont collé juste au-dessus de la lampe. La colle a fondu et la colle s'est répartie dans le socket. Donc en fait, ça a isolé le socket de la lampe. Mal construit. Bonne idée, les gars. L'année, c'est sérieux là-dedans. L'année, c'est très sérieux. Ouais. Et Doka, c'est des trucs c'est des produits que tu trouves à 150-200 euros maximum. Globalement, l'année, c'est honteusement sous-coté à chaque fois. Ouais, c'est sous-coté, ouais. Alors ça dépend lesquels. Hein. Ouais. Chez l'année, t'as de tout et de rien. T'as du très très bon comme les Lion Air, et t'as du vachement moins bon comme les séries LGR. Ou là c'est... Les WC, j'aime bien LGR, ouais, j'aime pas trop. LGR, c'est. Et il avait une sous-question. Je cherchais un peu d'infos sur un petit ampli à lampe Eden 18 watts. J'arrive pas à en trouver. Je connais pas. Eden ou Aiden? Non, Eden. Eden, je ne connais pas. Moi non plus. Mais un 18 watts reste un 18 watts. Oui, c'est un Marshall. Voilà, en fait, on va dire ça comme ça. Donc en vrai, si c'est un Marshall 18 watts, c'est cool. Ah oui, parce que actuellement, j'ai un vieux AVT 100. Tout ce que tu pourras acheter sera mieux que ton ampli, je suis désolé de te le dire. Mieux et moins lourd, surtout. Mmh. Parce que le AVT 100, il y a une lampe dedans, mais alors... c'est rare. Non, AVT, c'est pas les Valve State avec le circuit qui émule la lampe. Mais si, mais Valve State... Non, Valve State, ils ont une lampe. Je sais plus. Comme les pédales Black Spark, il y a une petite diode qui s'allume sous la lampe pour faire croire qu'elle est utile. Non. Marshall, on en dit beaucoup de bien, mais leur toute première série MG et anciennement Valve State est dérivée... C'est pas ouf. C'est pas réussi, quoi. C'est pas ouf. Et y a pas que eux qui ont merdé hein, sur ce schéma. Non, après, il faut du produit pour tous les budgets, pour tous les goûts. Là, l'avantage, c'est qu'en gros, t'as 100 watts, 100 watts transo. Pour un local de répète qui veut pas se faire broyer de ses amplis, c'est génial. Ouais. Mais pour toi, perso, si parce que forcément, oui, la différence entre lampe et transistor, c'est un entretien plus complexe sur le lampe, une façon de l'utiliser, c'est-à-dire que c'est pas on l'allume, on met tout à fond et vas-y, on envoie, quoi, tu vois, c'est... T'auras des pièces d'usure à changer. Alors le gros avantage aussi, c'est qu'un ampli à lampe ayant une technologie un petit peu plus ancienne et simpliste, on va dire, ça se répare généralement beaucoup plus souvent qu'un transistor. Et beaucoup mieux. Après, la modélisation, c'est à mi-chemin. Quand tu viens de ce genre d'ampli, déjà, tu passes sur une modélisation, t'es heureux. Hein. Ouais. T'es vraiment heureux. Ouais. Surtout si tu veux jouer de tout, tu trouveras pas un ampli à lampe qui a et un bon clean, et un bon drive, et un bon lead. Il faudra deux voire trois. Un JCM. Un JCM, mais ce sera sur le même canal. Ouais, voilà. Si tu touches un peu à tout, la modé, c'est très bien. C'est aussi fiable qu'à Trozo et ça sonne un peu mieux qu'à Trozo. Ouais, moi j'aime bien dire, vaut mieux avoir plusieurs choses qui sont excellentes dans leur domaine plutôt qu'une chose qui est moyenne partout, tu vois. Question de goût. Hein. Ouais, voilà. Question de goût, hein. Mais quoi qu'il en soit, je pense que ce sur quoi on s'accorde, c'est que ça sera toujours mieux que ton ampli du moment. Oui. C'est pas une critique, hein. On a tous eu des amplis de merde. Oui. On a malheureusement tous commencé avec des bousasses. Après, c'est normal, faut se faire l'oreille, faut se faire la main, il faut se faire le portefeuille aussi. Hein. Mmh. Exactement. Puis, oui, de toute façon, tu aurais eu un bon ampli du début, tu aurais moins apprécié que d'avoir eu un ampli de merde et d'évoluer. Ah, ça. À toi, c'est toujours le même monsieur. Frédéric. Ah, la conception d'un pedalboard, avec en particulier les pièges à éviter, l'ordre des pédales, etc. Merci à vous pour ces super vidéos, merci à toi pour ton commentaire. Je sais pas si on la fera celle-là, Palf l'a déjà super bien fait. Va chez Palf, ouais. Va jeter un œil, voir ce que raconte Alexandre et compagnie. Même fait Gaël ou Julien Bitou. Ils ont fait beaucoup de choses très intéressantes. Nous, tout ce qu'on peut te dire, c'est que les pièges à éviter seraient de, par exemple, mettre 2 ou 350 balles dans une alim. Machin et tout. Il y a des choses qui sont bien, d'autres qui sont moins bien. Il y a des choses qui sont trop chères, il y a des choses qui sont pas assez chères aussi. C'est-à-dire que forcément, fais le ratio du prix que tu veux mettre par rapport à l'utilisation que tu veux en faire. Faut pas non plus penser que si tu te montes un pedalboard à 6000 balles, tu vas réussir à le faire sonner comme Jeff Beck. C'est pas vrai. Mmh. Voilà. Évite le piège des pédales boutiques, au moins au début. C'est bien les pédales boutiques, mais quand tu commences un pedalboard, c'est complètement inutile. C'est comme les amplis, il faut que tu te forges l'oreille avec de la Bose, de l'électro-harmonix. Et achète d'occasion surtout. Achète d'occasion, parce qu'une pédale, ça se répare très bien, pour le coup, sauf certaines, mais globalement, ça se répare quand même bien. Et puis, un pedalboard équilibré, comme dit Max, t'achètes pas une alim à 3000 balles pour brancher des TC électroniques à 20 balles. Exactement. Et puis essaye-en parce qu'il y a des surprises. Par exemple, comment elles s'appelaient les FAB Dan Electro qui faisait ça. C'était des petites pédales toutes en plastique, moches, à 30 balles. Ouais. Et dedans, il y en a une, l'Overdrive, c'est un circuit de Jan Ray. Jan Ray qui est une pédale qui vaut 300 balles. Donc,
te fais pas trop avoir par les influenceurs, même s'ils présentent quand même des produits sympas globalement. Fais étape par étape. Mets le buffer après ta wa et ta fuzz que tu vas mettre en tout début de ligne. Si tu sais pas ce que c'est, tu te prends pas la tête. Et puis tu fais étape par étape. T'achètes pas tout en même temps et t'achètes pas tout boutique. Alexandre te vendra du boutique quand tu ressentiras le besoin d'avoir du boutique. C'est ça. Mmh. Mais non, il n'y a pas de piège. Si, mets le prix dans les patchs. Oui, les câbles, c'est important. Les petits câbles entre les pédales. Ouais. Ça peut te bouffer tes aigus. Et puis, si t'as pas besoin d'une Wawa, achète pas de Wawa au début, parce que ça aussi, ça te bouffe pas mal de... La Crybaby, elle te saccage pas mal ton son. Hein. Ouais, après, tu peux t'amuser avec des auto-Wa, etc. Mais ouais. Après, ça, c'est pareil. C'est comme un peu avoir un pilote automatique sur ta voiture, alors que t'aimes bien conduire. Hein. Ouais. C'est... plus tard. À moi ? Bah ouais. Coucou et bonne année, merci. Bon, là, on est février, bonne année, c'est fini. C'est quoi le Radius ? Ah. Alors, vas-y, on va répondre un par un. Le Radius, monsieur Lantaise. Le Radius, qu'est-ce que le Radius ? Le Radius, c'est, on va dire... je vais inventer un mot. C'est l'incurvation de ta touche. La courbure de ta touche. Parce qu'elle est plus ou moins ronde, plus ou moins plate. Exactement. Les différences que tu vas avoir dans les différences par rapport au radius, en gros, on va aller du plus petit, 7,25, très 7,25. Typique, voilà, très typique des Fender vintage. Ça, c'est ça, c'est le haut de la... Le... Ouais. C'est voilà. Clair, c'est qu'on peut pas, on peut pas le montrer mais plus si que regarde, ça. Ah non, on n'aura si, pas si, j'ai une Fender vintage là-haut, mais on verra on pas verra bien. On verra pas la diff. On verra pas bien. En gros, plus ton radius est faible... plus ta touche est bombée, voilà. Plus ton radius est élevé, plus ta touche est plate. On va partir du principe qu'une Strat vraiment vintage, années 50, 60, on est sur du 7,25. Ils vont passer à 9,5 un peu plus tard, mais voilà, on y reviendra. Mais en gros, chez Gibson, je dirais que voilà, chez Gibson, ouais, ça, chez Ibanez, ça va être du 10. Comme ça. Ça, c'est des guitares classiques à moins de 100 balles, ça. Mais en gros, on pourra dire que plus ton radius est plat, plus tu pourras techniquement avoir un jeu rapide, etc. Peut-être un petit peu moins de facilité sur les barrets, alors ça dépend de la courbe de ton doigt et tout, mais l'arrière du manche. Oui, et de l'arrière du manche aussi. Mais il est en rapport avec l'épaisseur. Le meilleur moyen, c'est d'essayer. Ouais. C'est, tu testes les deux extrêmes. Un 7,25, c'est pas dit d'être à l'aise tout de suite, Un 9,5, c'est déjà un petit peu plus adapté, on va dire. Le 10, 12, 14, 16, on est déjà sur des très bons compromis. 20, c'est vraiment ultra plat, c'est type Ibanez de Shredder et tout, guitare 7 cordes. Apprends pas les radius, essaye-les, et une fois qu'il y en a qui te plaît, tu demandes le numéro du radius et tu le retiens. Et voilà. Finalement, on pourra quand même te dire que le radius a relativement moins d'importance que le profil arrière. Oui, parce que t'as la courbure de ta touche à l'avant, mais t'as aussi tout ce qui remplit ta main entre la touche et le... Et tu peux avoir des radius très plaques, des très gros manches qui vont te rendre à l'aise ou pas, ou mal à l'aise selon l'épaisseur de ta main. Moi, ma cam, c'est un gros V, un vrai V, pas un soft V. Attention, le vrai V54 de chez Fender avec un bon radius de 7,25. Ça, c'est vraiment, vraiment ma cam. C'est un 9,5 actuellement. 7,25. Oui, ouais, c'est une ST54. Ouais, 54, le 9,5 n'existe pas encore. Elle n'est pas vendue, allez voir la vidéo. Elle est vraiment cool. Elle est vraiment cool. Ouais. D'ailleurs, il faudrait que je fasse finalement un jour pour la vendre. Ah oui, c'est pour ça qu'elle est pas vendue. Ouais. Ouais, j'aime bien aussi les garder. Je leur dis bonjour le matin quand j'arrive. Qu'est-ce que c'est que les nonos ? Je pense que tu parles des sillets de tête ou des sillets en général sur une guitare acoustique. Bah, c'est simplement une pas chère. Si mais non, le nonos, le radius, c'est un os du corps humain. Ah d'accord. Non, je crois que les sillets s'en foutent. Hein. Ouais. Ah, quel type de guitare ayant des petits radius ? Ben, il y a Fender Vintage. Mais quand c'est petit, c'est rond. Quand c'est élevé, c'est plat. Exactement. Et t'as des radius compensés aussi. Ne pas confondre. Ouais, bah ouais. T'as une spécialité de chez Warmos qui est le 9,5 compensé à 16. C'est-à-dire que tu démarres à 9,5, tu finis à 16. Ouais, et le jour où tu fais une planimétrie, c'est une vraie saloperie. Mais c'est pas mal quand t'arrives dans les aigus, t'as ce côté un petit peu plus rapide, un petit peu plus plat. Ça t'évite d'avoir la corde qui te glisse entre l'ongle et le doigt quand tu bends à partir de 12 jusqu'en bas. À toi. Eh, moi, il est bien le commentaire que j'ai. Oh, mais arrêtez de dire des conneries. Non, on s'arrêtera pas de dire des conneries. Bon, il plaisante. Toujours très content de suivre votre chaîne. Le ton, l'ambiance, la clarté, continuez comme ça. On n'a pas l'intention de changer. Hein. Quelques idées de sujet. Un énorme. L'émergence des différentes marques au cours des années. Ampli, guitare, effet. Les marques françaises. Ampli, guitare, effet. Comment faire d'une guitare moyenne une guitare de haute qualité ? Ah !
Ça, c'est une question très intéressante parce que tu ne peux pas faire ça. Par contre, tu peux en faire quelque chose de... Tu peux en faire quelque chose de potable, tu pourras faire des petites upgrades, etc. Mais si t'as une guitare qui est faite avec un bois de merde, bah t'as une guitare de merde. S'il n'y a pas de secret, et là, pour le coup, tu pourras toujours changer tes micros, changer ton électronique, mais ta qualité de lutherie, elle est donnée à la sortie de l'usine, et malheureusement, elle restera comme ça. Si t'as une guitare moyenne, tu pourras en tirer le mieux de ce que tu peux en tirer, ce qui n'est pas le cas quand elle sort de l'usine. Mais tu pourras pas outrepasser, c'est comme un moteur, hein. tu libères l'échappement, tu le libères un peu, mais il fera jamais plus de 100 chevaux de plus que ce que tu veux. Ah non, ça c'est pas possible. Tu vois, moi quand les gens me disent un peu des trucs comme ça, ah je voudrais si, mais avec ça, je leur dis toujours que moi j'aimerais bien avoir un gabarit de Twingo, mais avec un V12 Ferrari dedans. Bah ça rentre pas. Ouais. Ça rentre pas. Mmh. Ou alors si, centrale arrière, etc. Mmh. Mais non, ça fait trop de modifications pour... T'as une guitare moyenne, elle te plaît, tu la gardes ou tu la vends et tu rachètes une guitare haut de gamme. Et c'est pas parce que t'achètes une guitare soi-disant haut de gamme que finalement... Qu'elle sonnera mieux que la guitare moyenne. Ouais, alors ça, par contre, faut faire une différence entre la qualité de construction et des matériaux et le rendu final. T'as des guitares moyennes une fois mixées et tout ce qu'on veut. Ouais. Elles sont bien. Il y a des pros qui travaillent tous les jours depuis 50 ans avec des guitares moyennes et... Oui, parce que finalement on est c'est marrant parce que ça fait l'émergence des différentes marques et tout. Moi je dirais plutôt l'émergence des produits marketing. Ouais. Regarde, j'en ai un de produit marketing, il est où? Ah, il est là-bas. Attends, je vais chercher le produit marketing. C'est moche ce que je vais faire. Mmh. Sachant que c'est mon artiste préféré, c'est assez moche ce que je vais faire. Ouais. Ah, ça va gueuler. Boum. Voilà les gars, ceci est un produit marketing. Tu l'as reconnu, regarde, je te montre. Voilà, t'as reconnu. Alors c'est dommage parce que c'est un artiste que j'apprécie beaucoup, qui a apporté beaucoup à la musique. Mais ceci est bel et bien un produit marketing. On est quand même, faut le dire, sur une très bonne qualité de lutherie, etc., etc. Mais est-ce que tu vas payer en plus? Bonjour. Bonjour. Je suis venu pour chercher un colis, je sais pas. Je suis fermé. Ah mince, désolé. Je suis fermé, je rouvre à 14h. C'est pas grave. Pourquoi j'ai pas fermé la porte? Je sais pas, est-ce qu'on attendait Laura? Bah ouais. Je crois qu'on va attendre longtemps. Mmh. Bon, qu'est-ce que je disais? Ceci était une légère coupure pub. Oui, donc ceci est un produit marketing. Alors, un très beau produit marketing, tu vois, Olympic White, tête reverse et tout. Mais je dirais que forcément, la plus-value qui est apportée au produit pour cette jeune signature à l'arrière de la tête ne vaut pas forcément la différence de lutherie avec une guitare de gamme équivalente, tout simplement. Cependant, tu es collectionneur et que tu es fan, ne te prive surtout pas, achète, parce que ça reste quand même des très bons produits qui vont être amenés à côté, etc., etc. Mais voilà, l'émergence des marques, elle se fait plutôt là-dedans, endosser un artiste, etc., etc. Donc, il y a des compromis plus intéressants à faire pour le même budget. Sachant que ça, neuf, on n'était pas très très loin des 800 balles à l'époque, en 2015. Ce qui est marrant, c'est que de 800 balles, c'est le prix d'une mexicaine standard à l'heure actuelle. Donc bon, voilà, toute proportion faite, faut faire un petit peu attention à ça quand même. Et puis l'histoire de Yamaha et Cort. Alors Cort, on a déjà dit que ça allait être compliqué. Ouais, Cort, ça va être super et compliqué. Et Yamaha, c'est mieux sur sable, mais c'est velu sa mère. Ouais. Yamaha, c'est bien, ça doit être hyper intéressant. Yamaha, mais... après, ça dépend vraiment de quoi on parle. Il faut le prendre, branche par branche. Ouais. Il faut prendre la branche guitare, la branche. Enfin, Yamaha, musical instrument, et en dessous, tu dérives le piano, la guitare, le machin. C'est même en sono, ils font des trucs de dingue. Les moteurs et tout. Ils ont fait beaucoup de choses, mais ils ont commencé par la musique. C'est pour ça que même sur ton 125YZ, tu as les trois diapasons, et les trois diapasons n'ont absolument rien à voir avec les moteurs, mais plutôt avec la musique, parce qu'ils ont commencé par là en réalité. Oui, le logo sont trois diapasons tête mèche. Ouais. À 100 000 abonnés, on fera Yamaha. Ouah, 100 000. Ouais, mais on n'y sera jamais. Non, on n'y sera jamais à 100 000. C'est qui? C'était toi, là? Non, moi, c'est bon, j'ai répondu. Vidéo sur Epiphone. Oui, on a dit qu'on le ferait, ça, par contre. J'y travaille sur Epiphone. J'ai commencé à gratouiller un petit peu, mais ça va être un gros pavé parce que... Ouais, c'est déjà plus faisable quand même. C'est déjà plus faisable, ouais, parce que moi, c'est une marque qui vraiment, vraiment me tient à cœur parce que j'ai les poils qui s'hérissent quand on me dit qu'Epiphone est une sous-marque de Gibson. Que valent les Epiphone aujourd'hui?
j'y pense, car le docu sur les Beatles est ressorti, on voit la Casino. Alors, l'épiphone de John Lennon, ouais, la Casino. Très mauvais comparatif. Faut pas la prendre en compte. Non. C'est une Gibson. Oui, c'est une Gibson. C'est, bah, ça fera partie de l'histoire d'Epiphone, ouais, c'est ce qui est intéressant. On va résumer très vite fait à l'époque où Gibson se rend compte qu'Epiphone sait faire de très bonnes guitares. Ils vont lui confier une toute petite partie du catalogue. Pas à tout, mais une sorte de truc, vas-y, tiens, on va voir ce que tu veux. Et ils auraient pas dû. Et ils auraient pas dû. Comme déjà. Ils auraient pas dû parce qu'elles sont sorties de l'usine d'Epiphone et elles étaient franchement meilleures que les Gibson. Ouais. Mais on expliquera ça un petit peu plus tard, mais voilà, en gros l'idée c'est que une Epiphone c'est bien à l'heure actuelle si par exemple t'as pas 2500 balles à foutre dans une Les Paul. Et c'est bien aujourd'hui, j'aurais pas dit ça il y a encore 5 ou 6 ans. Depuis le retour du nouveau PDG, qui est l'apparition chez Epiphone de tête New Kalamazoo. Moi j'aime. Ouais, et bah ça tu vois, moi je trouve que c'est purement marketing en fait. Non, mais la tête oui, changement, mais par contre c'est la période. Ah, il y a eu des... c'est comme chez Gibson, il y a eu des périodes de merde. Et ben, je trouve que depuis les têtes New Kalamazoo, peu importe la tête, la période est bonne. Ouais, ça justifie pas le prix non plus. Bon, oserais-je dire. Ouais. Mais Epiphone Corée, tu t'en sors. Parce que tout ce qui est inspired by Gibson là, la française, foulolo. Wow, c'est... Non, mais leur Joe Bonamassa était vraiment... Alors, les Joe Bonamassa, c'est différent. C'est des séries signatures et tout. Leurs séries signatures sont cool. La Jarret de James Nichols, là... Elle est franchement cool. Sa mère. Alors, c'est des modèles qui sont assez durs à trouver. C'est des modèles qui, par exemple, sont très vite sold out dès qu'ils sortent et qui se retrouvent sur des sites comme Reverb à 300 ou 400 euros de plus. Mais ça... Ça justifie pas le... Encore une fois, c'est ce que je répétais avec la petite Hendrix, c'est que... On tombe un petit peu trop facilement dans l'objet la collectionnique, dans l'objet marketing du ah c'est la signature d'un tel et tout c'est je dirais pas à éviter parce que quoi qu'il arrive ils mettront un petit peu plus le paquet sur les séries signatures parce qu'ils ont quand même un nom à respecter et tout mais on tombe très vite dans le c'est trop cher pour ce que c'est. Mais au final tu conseillerais quand même Epiphone aujourd'hui? Aujourd'hui, précise. Ouais. Mais je pense qu'il te conseillerait de trouver une coréenne qu'à 20 ans. Ouais. Si tu peux la trouver avec un petit S sur le numéro de série, c'est pas mal. AB, c'est pas mal aussi. I, ah oui, c'est quoi, Bohémia? Bohémia, ouais. Ah ouais, les Bohémia. Les Bohémia, faut avoir les yeux bien accrochés parce que dans les couleurs, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils ont fait des couleurs un petit peu cheloues quand même. Et c'est vrai, quand tu l'attrapes, si tu la donnes à un aveugle, le mec va te dire non, ceci n'est pas une Les Paul parce que c'est vachement arrondi. Ouais. On y reviendra au Bohémia parce que c'est de la bonne cam quand même. Ouais, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissent pas l'histoire d'Epiphone Bohémia, donc c'est cool. Fabrication européenne, s'il te plaît. Hein. Ouais, excusez. Faudra vous abonner. No spoil. Ouais. À toi. À moi. L'histoire des amplis anglais. Ça va vite. Voilà, un jour, il y a un anglais, il a ouvert un Fender, il a dit j'ai pas les pièces, je vais mettre autre chose. Exactement. Il s'appelait Jim Marshall. Voilà. Et fini. Terminé. Et tous les mecs ont dit ah, c'est bien ce qu'il fait lui, on va faire pareil. En gros, c'est ça. Non, l'histoire des amplis anglais, ouais, vraiment, c'est... L'histoire des amplis anglais, c'est l'histoire de Fender Gibson. Voilà, exactement. Ça peut se résumer très vite. C'est différent parce qu'il a fait avec ce qu'il avait à l'époque. Oui, il a fait avec ce qu'il avait à l'époque, mais en gros, il a fait tout l'inverse de ce que les Américains ont fait. Voilà. C'est des 6L6, j'en ai pas en Europe, je vais mettre des EL34. C'est bien les EL34. Voilà pourquoi Marshall est en EL34 et Fender en 6L6. Exactement. C'est la vraie histoire. C'est pas charmant, hein, c'est pas un conte de fées, quoi, mais en gros, c'est l'idée. Ouais, c'est... L'histoire des amplis anglais, c'est le Fender Bassman Blackface. Exactement. Voilà. 6G, je sais pas quoi. Non, 5... Non, c'est le Fender Bassman Tweed, c'est le 5F6. J'allais dire 5G4, mais non, 5G4, c'est plus vieux. Voilà. On va se faire des fous. C'est pas grave. C'est très résumé, hein, mais il y a beaucoup de choses à dire. Parce qu'après, Jim Marshall, il a oui, fait des après, trucs très cool. Après, tu peux parler un petit peu de Vox, de Vox aussi. Mais on fera peut-être un truc un petit peu plus concis à un moment, ouais, sur les amplis anglais. Les différences de technologie et éventuellement ce que ça t'apporte en différence dans le son, parce que les différences notamment de courant et de millivoltage dans une 6L6, dans une L34, dans une 84, on fera un petit truc. Et puis Vox avec les options combustion spontanée, ils étaient géniaux. Oui, ça cramait les Vox quand tu les poussais. Oui, Vox ça peut prendre feu. Alors ça pouvait prendre feu, ça le fait plus maintenant. Non, c'est aux normes européennes.
Mais voilà, je fais une petite pause. Tu peux lire la question tout seul si tu veux. Ah, elle est très intéressante la question d'après. Alors merci Emmanuel pour ta question. Salut, comment choisir une bonne Gibson, Les Paul ou SG? Ah, alors on va résumer, on va y aller chronologiquement. SG, tu peux pas te tromper, techniquement elles sont à peu près toutes bonnes, il y a pas trop de soucis. Les Paul, impérativement, essaye-la avant et évite la période de 2002-2012. Ouais. Voilà. Tu peux essayer jusqu'en 2008. Tu peux essayer et si tu en as l'occasion, check son chevalet, quoi, tu vois. Surtout dans cette période-là de 2002 à 2012, le chevalet, il fait du radius inversé. Hein. Mais la vraie bonne... si tu prends comme exemple Maxime et moi-même, la vraie bonne réponse, c'est achète les deux. Oui, achète les deux et surtout, essaye-la avant. Fais-toi une idée de est-ce que je préfère une Les Paul de 5 kg ou est-ce que je préfère une Les Paul de 3,5 kg. C'est aussi intéressant. Il y a beaucoup de différences dans les micros aussi chez Gibson. Donc je dirais en fait, pour choisir une bonne Les Paul ou une bonne SG, c'est celle que tu essayes et c'est celle qui te plaît. Et à la base, la SG s'appelait Les Paul. Oui. Donc, globalement, c'est une évolution de la Les Paul. La on y reviendra. Parce que quand on te dit R6, R7, R8, R9, R0... Bah, on pourrait aussi te parler de Les Paul 62 et Les Paul 63. Alors là, il y en a qui sont... Ah, de quoi ils parlent? Ça n'existe pas. Si, si ça s'appelle communément une SG. On y reviendra plus tard. Hashtag Marie Ford, 3 micros et compagnie. Mais on refera peut-être un petit épisode sur ça. Ouais. L'histoire de la Les Paul, pourquoi ça s'arrête à R0. Et si tu veux savoir la diff, on a fait un épisode avec deux Epiphone Sane Corée. Où à un moment, on les superpose. Sur le même riff, avec le même ampli. Oui. Et waouh. Tu comprends pourquoi les G s'appelaient Les Paul? La différence de son n'est pas oufissime. Non, elle n'est pas oufissime du tout. Faut vraiment, j'irai même moi au casque, j'ai eu du mal à différencier. Alors, toi, derrière ton téléphone. Une fois que c'est compressé, traité, en live, tu sens une différence. Au casque, sur un album, sur un machin. Tu sentiras une différence vraiment plutôt sur une Les Paul, je dirais, parce que là, tu as une histoire de bois et tout, de, est-ce que je prends une custom tout en acajou, est-ce que je prends une standard plutôt avec une table érable, la taille de la table aussi, parce que ça varie, alors des fois pas de beaucoup, de quelques millimètres, mais ça, c'est hyper important, et surtout, son type de micro, c'est ça qui va faire la différence. Oui, parce qu'aujourd'hui, je disais maximum, on a gardé les deux, mais autant lui que moi, on n'a plus de double bobinage sur les G. On a mis tous les deux DP90 dessus. Ah, lui, c'est une junior. Ouais, lui, c'était une junior, ouais. C'est normal, mais vraiment, les micros, hein, lui, c'est R9. La R9, elle a des Skinner Burst, signature Bonamassa et tout. Bon, voilà, c'est vraiment les micros qui vont faire la différence, principalement à l'oreille. On ne parle pas d'une qualité de lutherie, d'une résonance et tout. Moi, quand on me demande si je préfère une Les Paul qui résonne ou une Les Paul qui résonne pas, je réponds assez facilement que, étant des guitares électriques, le pouvoir acoustique de ces guitares étant aussi proche de zéro, tant que ça sonne dans un ampli, ça me va très bien. Et si t'as un passif dernier discal, prends une SG. Oui. Voilà. Elle est faite pour ça, à la base. De toute façon, oui. Elle est faite pour pas être lourde, donc... Tu trouveras jamais une Les Paul de 3 kg, de 2 kg 9, de 2 kg 5, ça n'existe pas. Ou alors, si ça existe, elle a un gros problème. En weight relief, troué. Même les chambers. Même les chambers. Bon, voilà. Merci les gars. Oh oui, on vous remercie tous, mais là, l'épisode fait déjà 20 minutes. Je suis partagé entre SP Custom et FBS. Moi, j'ai pas essayé SP Custom, je crois que je te l'ai répondu. Toi, tu en as eu par contre. Ah oui. Moi, FBS. De ce que j'ai entendu. FBS. FBS, pourquoi? Alors attention, on ne dit pas qu'SP Custom c'est pas bon. SP Custom c'est très bon, mais c'est plus cher. À toi de voir après le budget que tu veux allouer à ta modif. SP Custom, vraiment, j'aime bien, mais je vais être solidaire de mon ami François et je te dirai FBS parce que le rapport qualité-prix, il est imbattable, tout simplement. Tu n'auras pas autant de customisation possible, notamment dans les caches micro et tout, parce que SP Custom, ils font des teintes de fou pour les caches micro, mais FBS. À toi, Luffy. Attends, faut que je change de page. Ah, bonjour, toujours aussi intéressant de vos vidéos. Merci. Alors, type de corde, tyran, câblage 50 ou moderne, type Gibson. Alors, type de corde, revêtu. Type de corde, Fuji. Si tu as une Les Paul,
tu vas arrêter de nous faire chier avec ton 9,42 de merde, et tu vas lui monter un truc qui grogne un peu, tu vois, 10,46 minimum, 10,52 si tu veux une attaque un peu franchouillarde sur tout ce qui est power cord, accord de puissance et tout, et si t'aimes bien quand ça te reste un peu dans les doigts comme moi, surtout quand tu bends d'une Les Paul, quand tu veux avoir ce fameux bend un peu à la Page, 11,49. Tu vas pas te broyer les doigts et tu vas lui redonner un petit peu de caractère. Parce qu'on parlait des radius, mais on n'a pas parlé de l'intonation. Sur Gibson, les manches sont... Enfin, tout petit peu. L'écart ouais, manche chevalet est plus court. Il y a 0,25 ouais. ou 0,45 pouces. C'est et, pas là. Et c'est plus facile à bender. Et c'est plus facile à bender. Tirant, on a fait câblage 50. Le câblage 50 versus le câblage moderne. Absolument aucune différence. Voilà. Je me suis jamais posé la question. C'est purement esthétique. Alors... J'aime bien, quand je refais une Les Paul, demander au mec s'il préfère un 50 ou un moderne. Les trois quarts, ils répondent 50 en se disant « Ouais, c'est vintage, ça sera mieux. » Il n'y a aucune différence. Le courant, il passe tout pareil dedans. Il ne suit pas exactement le même chemin, mais vraiment, il y a très peu de différence. Si juste à l'oreille, tu es capable de dire « Ah, elle est câblée en 50, ah, elle est câblée en moderne. » Très compliqué. Ouais. En vrai, la seule différence à l'oreille, c'est arrivé, et notamment Rémi, sur sa chaîne, a eu une guitare à faire comme ça, où il a fait une sortie direct micro. C'est-à-dire qu'il ne passe pas dans le circuit électronique. Tu sais, il a un switch. J'ai pas de différence. Ah si. Sans passer par les potards et tout. Oui, alors sans passer sortie par les direct potards micro. Et tout. Oui. Ouais. Bah, il y avait une diff. Mais sinon, différence en fonction du câblage. Non. La seule différence que tu as dans le câblage 50 et dans le câblage moderne, c'est le condensateur, où est-ce qu'il est soudé, etc. etc. Donc il y a vraiment très peu de différence. C'est quasi inaudible à l'oreille. Sachant que si en plus tu le repasses dans un ampli, même un 20 watts ou un 50 watts lampe, ça va se transformer légèrement en bruit. Mais rien que ton câble entre l'ampli et la guitare, déjà, il va voilà, tu verras pas de différence. Après, il y a un côté esthétique un petit peu différent. Moi, je sais que quand je refais un câblage, surtout sur une Les Paul, je mets l'accent sur le côté esthétique, même si c'est enfermé derrière la plaque. Au moins, le jour où le mec l'ouvre, il se dit « Ouais, putain, c'est beau. » Mais vraiment, très peu de différence. On va passer le commentaire d'après. Quelqu'un qui nous redemande Yamaha. Sûrement, mais... Si on fait l'histoire de Yamaha, le problème, c'est qu'on est obligé de passer par... toutes les noires, là, tout ce qui est piano et tout... En batterie, ils ont même en produits dérivés de batterie, le subkick, là, enfin, ils ont trop de trucs de ouf. Ils ont un budget recherché des Ils sont forts. Et c'est eux, si t'as suivi l'épisode, c'est eux qui ont refait Fender, hein, parce que les mecs qui ont relancé Fender, c'est des mecs qui venaient de chez Yamaha, à la base. Les trois, hein. Je sais plus comment il s'appelle, mais il y en a un des trois qui a fini PDG de chez Fender. Ah, ben il sort. Ouais. Donc, non, Yamaha, c'est. Yamaha, c'est Jesus sur le marché. Ils sont arrivés les bras croisés. Ouais, ils sont. ils ont l'avantage d'avoir vraiment de l'entrée de gamme vraiment abordable. Là, regardez, une petite Pacifica, ça vaut 200 balles tout neuf. C'est bien pour quelqu'un qui veut débuter. Et après, derrière, ils ont aussi du haut de gamme. Alors, forcément, moins coté que les grosses marques qu'on connaît, Fender, Gibson, mais ESP, etc. Mais bien. T'as un bon rapport qualité-prix. Et après, dans le piano, c'est pas... Ils ont du très haut de gamme. Ils ont aussi vraiment des produits qui sont très bons partout. C'est ce qu'on retrouve dans 95% des écoles de musique. La question d'après, je vais la zapper parce qu'on ne connaît pas la marque. Et puis, tu nous demandes un truc, mais c'est très propre à ce que tu en fais, en fait. Un deuxième épisode. Ah ouais, ça, c'était réaction sur le deuxième épisode. Quid de Tokai, Greco, Fujigen? J'aurais aimé plus de détails sur ces marques qui ont copié Fender et Gibson. Quid de Teco, Tokai et Fujigen? Alors, Tokai et Greco, ce sont des marques. Fujigen, c'est une usine. On nous a reproché d'avoir fait l'amalgame, c'était plus ou moins volontaire pour le coup. Parce que quand tu parles d'un produit, tu dis Ariel, l'usine Ariel, tu dis pas l'usine Procter & Gamble, tu vois, ça parle à personne. Oui, c'est tu ça. Dis un produit Google, tu dis pas un produit Alphabet étant la société qui défend Google. Greco, Tokai, même combat, même usine d'ailleurs. Ouais. Fernandez, très bien. Fernandez, Bernie, pareil. C'est quoi le peloton de tête? Parce qu'il y a quand même, on a globalisé, on en reparlera dans le droit de réponse. Non, on en reparlera dans le droit de réponse sur les miges. C'est intéressant. Il y a quand même des gammes chez les Japonais. Il y a des gammes chez les Japonais. Ouais, il y en a qui sont mieux que d'autres. Alors après, c'est pareil. On te dit ça en te disant oui, il y en a qui sont mieux que d'autres. Mais si tu préfères l'inverse, là, c'est vraiment nos propres goûts, nos propres expériences. C'est à la fois dans le jeu, à la fois dans le côté technique, dans la qualité de lutherie. Parce que moi, des Greco et des Tokai et des Fernandez, je peux te dire j'en ai franchement ouvert une paire sur l'établi qui est là-bas. Donc non, on te parle. En fonction de nos goûts, c'est pas parce qu'on dit que c'est mieux que
t'es obligé de penser que c'est mieux. Tu peux aussi te faire ton propre avis en essayant, en écoutant, et on t'interdit pas d'aimer quelque chose que nous qu'on pourrait considérer comme forcément un petit peu moins bien ou un petit peu en dessous en termes puis de. Puis on n'a pas tout essayé. Et on n'a pas tout essayé. Par contre, pourquoi les images de steak haché en plein milieu de l'épisode 2 Parce qu'en fait, l'épisode 2, j'ai dû le uploader 16 ou 17 fois. Et à chaque fois, le robot Google me disait « Atteinte au droit d'auteur pour l'image, machin !» Et il y a une image de magasin ou de je sais plus, que j'ai dû remplacer par une image random de steak haché pour illustrer les différences de gamme et l'entrée de gamme. Et ça prouve qu'il y en a qui regardent les images. C'est ouais, bien. C'est cool. Et là, bah, c'était la dernière question de la FAQ, dis donc. Non. Si. Non, j'arrive pas à tourner mes pages parce que je suis en train de me faire un rouleau depuis tout à l'heure. 45 minutes, on est bien déjà. Ah bah ouais. Ah, ouais. Ah bah oui, on arrive au droit de réponse Mige. Ouais. Et ben... Eh ben on est pas mal. Eh ben ouais, on est pas mal. J'aurais pas encore eu le temps de bouffer ce midi. Ouais, non plus. Bon, lui, c'est dramatique. Moi, c'est pas très grave. Voilà, voilà. Bah écoutez, on vous fait des bisous. Bah ouais. Profitez bien. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. On refera des FAQ un petit peu plus tard. C'est... Voilà. Mais on a quand même pris le temps de tout imprimer. Enfin, c'est lui qui a tout imprimé. Moi, je découvre en même temps qu'on tourne. On n'a pas répondu à tout le monde parce que, comme on l'a dit, en fait, on était en vacances chacun une semaine après l'autre. Ouais, ouais. Donc, il y a eu un gros trou. Oui, parce qu'on prend des vacances aussi. On essaie. Ouais, on aimerait... C'est aussi pour ça qu'il y a eu une petite pause dans YouTube parce que c'est toujours un petit peu compliqué de manier les trois emplois du temps d'un ouais. coup. C'est pour ça, regarde, aujourd'hui, là, on te fait un petit vlog. T'as vu, j'ai mis mes cheveux de mélacérose. Ouais. Parce que Max, il est au ski là actuellement, amuse-toi bien, évite de te faire un poignet s'il te plaît, parce qu'on a encore besoin de toi. Donc non, ça va repartir, ça va reprendre. Ouais, puis au final, les épisodes qu'on a pris le temps de faire sans s'imposer un rythme ont bien marché. Oui, ouais, il y a de ça aussi, c'est pas... On va pas vous gaver de contenu. C'est pas notre métier principal, ouais. On aime bien le faire, mais c'est le faire trop souvent à des rythmes trop cadencés... Déjà, c'est pas notre cam parce qu'on n'a pas le temps et puis on préfère voilà, travailler un petit peu plus comme ça. Et c'est pour nous mieux. L'idée, c'est pas non plus, on veut pas devenir les Squeezie de la musique. Non, enfin, du moins, moi, j'ai pas envie. Quoi. Non, non, on fait les sujets qu'on a envie de faire. Exactement. Et il y a des trucs qui ont déjà été faits. On vous le dira, allez voir les autres. Hein. Ça sert à rien de le refaire. Déjà que les autres répondent du sujet anglais pour le retraduire en français. C'est pas mal, hein, c'est... Ah, comme l'histoire du pedalboard, t'as tellement d'infos ouais. qui sont très bien données, très bien expliquées sur la chaîne de Palf. Va voir directement chez eux, tu vas gagner du temps, et puis voilà, ça nous évitera de dire... Puis tu découvriras peut-être un truc que tu connais aussi, pas. Aussi. Tu découvriras la marque Anosun si tu connais pas. Donc voilà, bah écoute des bisous, on a un deuxième épisode à tourner en vite fait. En vraiment vite fait. Hein, parce qu'on va pas tout mettre en même temps. Non, on va pas tout mettre en même temps. Bon, bah des bisous. Allez, clap de fin. On laisse tourner.